bienvenue parmi nous. Vous êtes l'auteur de La fille à histoire, votre dernier roman. Alors dites-nous un petit peu de quoi il s'agit. À un moment dans la vie, on est confronté à des circonstances qui font qu'on se dit « Pourquoi ai-je fait ça de ma vie ?» Donc à l'occasion d'une maladie, je me suis posé cette question. Et elle s'imposait parce que quand on a passé 40 ans de sa vie à offrir au public des histoires, soit sous forme de romans historiques ou quelquefois de biographies, au point de se mettre parfois en danger, de faire des enquêtes en Inde, au Tibet, se mettre en danger physiquement. Il y a aussi des livres qui sont des mises en danger personnelles. J'ai dit oui, j'ai passé ma vie à écrire des histoires. Je peux courir demain, et à ce moment-là, la réponse c'est j'ai passé ma vie à écrire des histoires. Mais derrière cette question-là, il y en a une autre. Pourquoi passer sa vie à écrire des histoires? Après tout, j'aurais pu être professeur, je l'ai été. J'aurais pu être journaliste, je l'ai été. Ça fait déjà deux vies. Pourquoi cette troisième? Pourquoi cette troisième vie est la plus constante? Et la réponse est tombée tout de suite. À cause de ma mère. Mais pourquoi ta mère, puisque ta mère ne t'aimait pas? Et que le fait que toi, tu as cherché son amour, mais le fait d'écrire des histoires, d'avoir un public important, elle aimait lire, ma mère, ne m'a jamais valu son amour. Est-ce que l'écriture a été une thérapie dans votre vie? Moi, je ne crois pas du tout à cette histoire de thérapie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'on fait comme on peut dans la vie avec ce qu'on a, les uns et les autres. Et on n'est pas là non plus pour être soigné, pour être dans la thérapie, on est là d'abord pour vivre. Et moi, petite, pour mériter l'amour de cette mère, j'ai inventé des histoires. Mais j'ai trouvé finalement la réponse en écrivant. Ma mère était narrative, spontanément. Elle était narrative comme peut l'être une ménagère qui se trouve coincée avec 5 enfants au fond d'une cour, avec très peu d'argent. Et elle n'en pouvait plus, elle n'aimait pas son mari. C'était un couple qui avait été disloqué par la guerre, mais ils avaient continué à avoir des enfants, mais ils s'étaient le non-dit, ils ne se disaient pas que c'était fini. Et donc, il suffisait qu'elle aille au marché, par exemple, qui était peut-être l'une des seules échappées qu'elle avait dans sa fille qui était faite de lessive et de cuisine. Elle voyait quelque chose qui l'arrêtait, alors elle revenait, et même sans penser à nous, dans sa minuscule cuisine de 7 mètres carrés, en faisant les patates, en faisant cuire les pommes de terre, elle inventait une histoire à partir de ce qu'elle avait vu. Et moi, j'étais tellement à désirer un contact fusionnel avec ma mère que je fusionnais avec l'histoire. Par exemple, elle disait, voilà, j'ai vu la marchande de poulets, alors c'est terrible, elle a son coq qui ne veut plus faire son boulot, alors elle est malheureuse, la marchande de poulets. Et moi, je voyais pas seulement la marchande de poulets, mais je voyais le coq, mais je le voyais comme un coq gréviste, parce qu'on vivait dans une vie ouvrière, et je me disais, c'est un salopard ce coq. Et je voyais les poules pleurer, les poules malheureuses, et puis j'imaginais encore d'autres histoires après. Ça germait dans ma tête, parce que j'ai... Et après, comme je voyais ma mère lire, je pense que spontanément est venue l'idée de... D'écrire, finalement. Non, l'idée de trouver une échappée dans la vie. Parce que dans notre famille, l'écriture, rendez compte, dans les années 50 et 60, les écrivains, il n'y avait pas de salon du livre. C'était des télé, on voyait des écrivains. C'était des entités qui vivaient à Paris, qui étaient des riches, certainement. Mais c'était aussi parce que mes parents avaient une révérence, une vénération pour la lecture. C'était des demi-dieux. Et comme disait mon père, ma mère, quand il y avait des choses qui n'étaient pas de notre milieu, nous, on n'est que des petits. Et donc, c'est... Donc moi, je cultivais cet imaginaire sans même oser écrire. Je rêvais en secret sous ma couverture ou au grenier. Puis à un moment, comme je voulais tellement, je souffrais de ce manque d'amour, j'ai commencé à découper dans des journaux de mode des figurines de papier qui figuraient ma mère à chaque fois pour pouvoir supporter son non-amour. Et puis ensuite, je suis allée plus loin, j'avais un paquet de figurines, j'ai imaginé des dialogues. Et puis, comme l'écriture était
pas pour nous. Eh bien, vers 14-15 ans, j'ai commencé à écrire des lettres à des amis parce que ça, c'était autorisé. Donc ça a ouvert une porte vers l'écriture, mais Vers le monde d'ailleurs. Vers le monde d'ailleurs, parce que l'écriture nous emmène ailleurs. Mais Irène Frein, vous avez une carrière extraordinaire, vous avez eu plusieurs vies, comme vous le dites. Et parmi ces plusieurs vies, vous avez démarré par... vous étiez professeur, vous avez été journaliste. Oui. C'est peut-être dans le désordre, hein, mais en tout non, cas... c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Et finalement, donc vous avez passé d'une étape à une autre, hein. Finalement, le fait d'être auteur ou d'un monde à un autre, le fait d'être auteur, c'est la profession la plus, on peut dire que c'est une profession la plus intimiste que vous ayez avec vous-même. Non, parce que je suis allée vers les autres. Je ne suis pas tournée autour de mon nombril. Dans ce livre, je m'interroge sur ce qui m'est arrivé, mais ce qui m'a frappée, c'est que une quantité extravagante de lecteurs. Et quand dans le lecteur, il y avait des hommes, hein, de lecteurs et de lectrices, mais aussi des hommes m'ont dit, mais c'est ma vie. Et c'est ma vie, quelquefois, m'ont-ils dit, même avec mon père. Mon père m'a pas compris, me disent certains des lecteurs hommes. Ils me parlent aussi de leur mère. Donc, je crois que l'écriture, tous ces livres qui nous entourent ici, sont des chambres d'écho. Et les auteurs, ils crient dans la nuit pour aller vers les autres. On n'écrit pas pour soi, c'est pas vrai. On écrit pour les autres. Non, on écrit parce qu'on est seul et qu'on voudrait être entendu. Voilà. On voudrait partager sa souffrance. C'est un peu comme un naufragé sur une île, parce que finalement, dans la vie, on est seul et on meurt seul. Et on passe le passage plus ou moins bien et plus ou moins accompagné, mais il y a toujours ces moments de solitude qui sont le fondement de l'existence humaine, et à ce moment-là, quelque chose nous vient dans l'écriture en solitude. C'est une bouteille à la mer, à la mer MER pour le coup, mais ça c'est la bouteille à la mer, la fille à histoire M-E, accent grave R-E, d'un naufragé. Nous sommes tous des naufragés involontaires. On n'a pas demandé à naître, mais on sait qu'il faudra sortir de la vie. Ce qui me fascine dans ce que vous dites, c'est que la profession de professeur et de journalisme, on l'a fait avec les autres. Oui, mais l'écriture, c'est la mère. On l'a fait avec soi. Et là, vous avez fait l'inverse quelque part. Vous avez écrit en allant vers les autres. Au fond, comment est-ce que vous pourriez définir ou nous décrire votre profession de professeur et de journaliste par rapport à la relation? C'est la même dans le fond, parce que, en tout cas, journaliste et écrivain, c'est la même, parce que on donne à voir, on montre des histoires. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire? Au départ, le mot veut dire enquête en grec. Bien sûr. Et il y a l'histoire avec un grand H, qui est l'histoire des historiens, qui se veut objective. Mais si je vous dis, vous me racontez des histoires, ça veut dire que je suis en train de vous dire des salades. Vous mentez. Oui, exactement. C'est des salades. Vous racontez des salades. Et en même temps, histoire, ça veut dire aussi un conflit, la preuve, la fille à histoire. C'est pour ça que j'ai écrit ce titre, la fille à histoire, parce que j'étais isolée dans cette famille, sauf par rapport à mon père qui m'aimait. C'est pour ça que je suis là pour vous parler, parce que normalement, j'aurais pas dû survivre. Donc, je créais censément des histoires dans la famille. J'étais celle dont on ne voulait pas, qu'on voulait. J'étais persécutée notamment par une de mes sœurs qui n'acceptait pas ma présence dans la maison. Et ma mère souhaitait que je débarrasse le plancher, comme on disait à l'époque, le plus vite possible. Mais j'étais. Justement, ça a fait de moi une fille qui écrit des histoires, qui a écrit. Qui est resté toute sa vie, cet enfant qui veut connaître le monde, qui veut briser les barrières. Michel Butor disait, écrire, c'est briser les barrières. Eh bien, un journaliste... Briser ses barrières. Absolument, ses barrières, les barrières des autres. Ouais. Un journaliste ou un écrivain, c'est quelqu'un qui va là où il n'a rien à faire, parce qu'il a tout à faire. J'ai le sentiment, et dites-moi si je suis juste ou pas, que ce roman, La fille à histoire, hein, vous avez écrit, c'est une autobiographie. Oui, c'est une autobiographie, mais c'est aussi un livre. Pourquoi écrivez-vous? Comment écrit-on?
Et puis, c'est aussi un livre sur la difficulté d'un enfant. Mais la difficulté d'un enfant, c'est aussi très drôle. C'est un livre assez cocasse parce que moi, j'étais une survivante. J'aurais dû mourir à la naissance. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y avait un secret de famille autour de mon prénom. C'est pour ça que je ne devais pas vivre. Ma mère a dû supporter cet enfant avec ce prénom qui lui rappelait des choses épouvantables. Elle l'avait donné par provocation. Alors ça, c'est le secret de famille qu'il y a dans le livre, mais il y a un autre. D'accord. Mais si vous voulez, en même temps, je suis une super vivante. Survivante, ça veut dire aussi une super vivante. Absolument. Je n'ai pas cessé au-delà dans ma vie même. De me mettre en danger. J'aurais pu rester professeur en Sorbonne, enseigner le latin, mais je n'ai pas pu. J'ai pris des risques, j'ai changé de profession, j'ai fait de l'enquête d'investigation, certaines enquêtes pour mes livres qui étaient vraiment dangereuses physiquement, parce que vous savez, les survivants, il faut qu'ils se prouvent tout le temps qu'ils sont vivants. Et les survivants, c'est aussi des gens qui ont un trop-plein de vie et qu'il faut qu'ils utilisent cette vie à des activités qui les mettent en danger. L'écriture est une mise en danger. L'écriture est une mise en danger parce que c'est au fond, en tout cas la vision que j'en ai, on se dénude intimement, émotionnellement. Oui, mais j'ai le sentiment d'entendre dans votre récit beaucoup de bienveillance par rapport à votre passé et beaucoup de gratitude. Est-ce qu'on peut dire que ce roman, même romancé, votre histoire... n'est pas romancé du tout. Si elle l'était, mais si on pouvait dire qu'elle est pleine de gratitude et de bienveillance. Alors moi, je dirais que... j'ai essayé de comprendre ma mère, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vie... il y a un moment d'ouverture. Où on a suffisamment vécu soi-même pour comprendre le parcours d'un adulte qui a été cette puissance terrifiante qu'est le parent, le père ou la mère. Parce que quand on a 2 ans ou 3 ans, c'est terrifiant, c'est une grande personne qui décide de votre vie. Bon, et donc on... pour moi, ça a été possible parce qu'ils sont morts depuis longtemps, mes parents. Donc, j'ai accumulé, comme vous sans doute, assez d'expérience pour comprendre d'adulte à adulte ce qui a pu se passer. Et par ailleurs, on m'a souvent demandé « Est-ce que maintenant vous avez pardonné à votre mère ?» Mais je réponds toujours « Je ne peux pas lui pardonner. » puisque je la considère pas comme responsable. Et donc, c'est une... Mais c'est une forme de pardon, finalement. Oui, en disant, je ne considère pas quelqu'un comme responsable, c'est une forme de détachement. Sans doute, ce qu'on appelle dans les religions le pardon, qui est une grande vertu, c'est certainement la meilleure chose que puissent proposer les religions, c'est d'avoir compris l'autre. Tu le comprends. Et donc, si tu le comprends, dit la religion, tu reconnais aussi ta part d'humanité et d'erreur dans l'erreur de l'autre. Donc, oui, c'est un chemin. Je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas tout dit parce que j'ai eu un autre souci. C'est de protéger les vivants. C'est-à-dire, il y a des gens dont je parle, des sœurs par exemple, je ne donne pas leur vrai nom parce qu'elles ont des enfants, des petits-enfants, et je ne suis pas dans l'idéologie du tout dire style Christine Angot. C'est son choix. Mais moi, je n'ai pas envie de faire de la casse. Si ce livre a pu les entraîner sur le chemin de la compréhension, et les mots servent à ça. Moi, je vois plus les mots comme des moyens de lien plutôt que dans des moyens de lien et de paix que par des moyens de guerre. Les mots sont faits pour communiquer. Parfait. Vous voyez ? D'où cette incroyable bienveillance. Alors, bienveillance, sans gratitude, l'augure. Une forme de gratitude. Oui, alors vous avez, si c'est vrai, je vous rends grâce, j'en suis extrêmement honorée. J'ai surtout voulu être exacte et équitable. Et équitable, c'est-à-dire qu'il y a un ou deux passages qui peuvent être perçus comme difficiles, difficile à écrire certainement. Difficile à écrire, mais qui sont durs, parce que la réalité a pu, dans certains cas, être dure, et elle a été aussi très comique. Il y a des passages très comiques dans ce livre, heureusement, et c'est un livre tonique et gai, et un livre d'espoir. Mais
les choses sont dites avec tenue. Je trouve que dans un monde où il n'y en a pas beaucoup de tenue, voilà, exactement. La colonne vertébrale droite. D'accord. C'est un livre, je crois, qui est droit et exact, qui n'est pas fait pour détruire, qui est fait pour avancer. Comment ça s'appelle? Ben, ça s'appelle la résilience de nos jours. Bien sûr. C'est grâce à l'expérience. Irène Franck, on vous remercie infiniment. Merci à vous. Pour cette interview passionnante. On se réjouit de vous lire, de vous découvrir. On serait resté des heures à vous écouter parce que je suis sûre que vous avez... je crois qu'on a dit l'essentiel. Oui, mais une profession, un chemin de vie passionnant. Donc, c'est un vrai chemin de vie, en tout cas. C'est un vrai chemin de vie. La fille à histoire, votre dernier livre. On vous remercie beaucoup pour ce moment partagé. Merci.